Bonjour à tous et à toutes, je suis Freddy278 et nous voici pour un nouveau dossier de Monde Paranormal. Le paranormal a pour certains, et pour certains, des monstres comme le Loch Ness, le Bigfoot, les esprits, les aliens. Mais le paranormal, c'est aussi un couple. Ed et Lorraine Warren, deux personnes avec un destin et une passion commune, le paranormal. Ed Warren, Minet, est né donc le 7 septembre 1926 à Bridgeport, dans le Connecticut, au sein d'une famille catholique. Il vécut de 5 à 12 ans dans une maison hantée. Lorraine, quant à elle, née Rita Moran, est donc née le 31 janvier 1927 à Bridgeport aussi, dans le Connecticut. Ed et Lorraine se sont rencontrés au Colonial Theatre of Bridgeport, là où travaillait Ed, qui est alors âgée de 16 ans. La jeune fille, quant à elle, est accompagnée de sa mère. Ed partit à 17 ans dans la marine et 4 mois après, son navire coula en Atlantique Nord. Il est donc retourné chez lui pour une permission de 30 jours. Les deux tourtereaux se marièrent pendant cette permission. C'est en commençant donc la peinture que le jeune couple commencèrent leur travail d'enquêteur paranormal. Ils fondèrent en 1952 la New England Society for Psychic Research, soit la NESFPR. Lorraine est spécialisée dans le domaine de la clairvoyance, en bref, une médium. Quant à Ed, lui dessine ce que Lorraine voit. Les enquêtes les plus connues des Warren, bien évidemment, sont entre autres Amityville, la famille Perron et le Cairnfield. Pour la famille Perron, on peut voir cette enquête dans le film Conjuring, sorti en 2013. Il s'agit de leur première enquête. Un couple de cinq filles qui emménagent, un couple et ses cinq filles, pardon, qui emménagent dans une maison qui habite tout simplement un esprit démoniaque et qui prendra possession de la mère, famille. Pour ce qui est du Cairnfield, nous retrouvons ceci dans le film Conjuring 2, qui est sorti en 2016. Une maison hantée située au 284 Green Street, située au nord de Londres, où vivent Peggy Hodgson et ses quatre enfants, Margaret qui a 13 ans, Janet 11 ans, Johnny 10 ans et Billy 7 ans, soit deux filles et deux garçons. L'esprit démoniaque s'en prit à Janet. Elle devenait violente et agressive. Le démon prenait possession. Pour le cas Amityville, c'est plus intéressant. Car à peine rentrée dans la maison, Lorraine sentit comme une armée de démons passer à travers elle. Pour l'histoire d'Amityville, vous retrouverez ce cas dans plein de films. C'est durant donc cette enquête que fut prise cette photo que vous voyez actuellement, où l'on peut voir un enfant apparaître au niveau de la porte de gauche. Un petit enfant qui ne devait pas être là ce jour-là, puisqu'il n'est. C'était une enquête réservée uniquement aux adultes. On voit donc ces petits enfants curieux, qui a été identifié comme l'un des enfants assassinés dans cette maison. Pour rappel, l'appareil prenait des photos toutes les 3 secondes. Et sur 3 photos, donc sur 9 secondes, la sixième seconde, on aperçoit donc cet enfant. Lorraine précisa plus tard ne plus vouloir revenir dans cette maison du mal. Vous allez sûrement me dire que j'ai oublié quelque chose. Je vais répondre non, je n'ai rien oublié. Bien sûr, je vais vous parler évidemment de l'histoire d'Annabelle. C'est une enquête très connue aussi chez les Warren, l'histoire de cette fameuse poupée possédée. La poupée n'est pas la même que celle du film, par contre. La vraie poupée est une Anne Ray Geddy, donnée par une mère de famille à sa fille Donna, qui est alors âgée de 24 ans, et qui, elle, vivait tout simplement avec son amie Angie. Ed et Lorraine ont une fille prénommée Judy. Ils ont également un musée dans leur maison, un musée tristement célèbre, avec comme attraction principale justement la fameuse poupée Annabelle, bouclée derrière une boîte vitrée. Malheureusement, Ed fut victime d'un accident vasculaire cérébral en 2001. Il fut incapable de marcher ni parler. Lorraine prend soin de lui, mais il mourut le 23 août 2006 à Monroe, dans le Connecticut. Lorraine, quant à elle, continue ses forums de parler des enquêtes paranormales, tout simplement, pour raconter leur histoire incroyable dans le monde des esprits.
Elle a également participé au tournage de Conjuring 1 et 2, afin de donner la vraie version des faits aux détails près. Il s'agit sans aucun doute pour moi des enquêteurs paranormaux les plus célèbres de l'histoire, et le seront sans aucun doute encore très longtemps. Lorraine maintenant est donc âgée de 91 ans. Croyez-vous aux esprits ? Pourquoi n'oseriez-vous pas aller visiter le musée Warren si pour vous le paranormal n'est qu'illusion ? Je vous laisse y réfléchir. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau dossier de Monde Paranormal. Restez chaud patate. Au revoir.